Et salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très très bien en cette période de pré-anniversaire. En tout cas, moi ça va super. On n'a pas grand chose à faire sur le jeu, même si on a eu beaucoup d'annonces qui sont sorties. On sait les nouveaux persos, etc., etc. On ne sait pas tout de l'anniversaire, mais on sait pas mal de choses en tout cas. J'espère qu'ils nous ont réservé beaucoup de surprises, parce qu'on attend ça depuis longtemps. On va pas en parler ici, c'est pas le but. On va aller parler du Goku Zenkai, donc on va aller le jouer, pardon, dans la team que vous venez de voir. Alors pourquoi cette team? Bon, le Goku élève évidemment pour sa cape Z de folie, les deux Trunks et Gohan pour la cape Z arc Namek, et après on a deux personnages qui vont servir uniquement à booster le Gohan par le Gohan, le LF et le Zenkai par le Gohan ultime, et ensuite que les Super Saiyan, donc le Goku LF une fois transformé, le Goku Zenkai et le c'est tout, voilà, ça s'arrête là. Mais en tout cas, tout ça est vraiment fait pour que j'optimise ce Goku là. Donc voilà, 268 000 attaques d'énergie, c'est très très, c'est énorme. 100% des dégâts sur les spé, ça peut faire très très mal. Donc on va voir ce qu'il vaut dans la méta actuelle, notamment avec une carte verte également qui est pas mauvaise. Une ulti également qui réduit l'effet de mise à cover, donc on sait que dans tous les cas elle va faire mal. Je ne l'ai que les NK1, je rappelle. Le main qui amène l'ulti et qui booste les dégâts et qui annule les malus, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, tu veux parler de Krillin, donc il va augmenter les dégâts de 35% d'énergie pour si un personnage Krillin allié est KO, pardon. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc on va essayer de faire mourir le Krillin violet. Voilà, et Parali KO, il va se monter de 20%, donc encore une fois c'est fort. Et ici donc 80% des dégâts infligés face aux généalogies maléfiques. Donc on va voir si on tombe sur une généalogie avec deux alliés KO, ça peut être un sacré délire. Donc voilà, une petite réduction de 30% après 5 secondes entrée sur scène. Donc attention à pas trop mettre à cover avec ce personnage. Et au niveau de boost d'âme Zenkai, comme vous voyez, on est à fond. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira les gars. Encore une fois, je vous demande très peu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce et tout droit vers les 1300. Je veux que cette vidéo nous donne les 1300 abonnés les gars, je vous en supplie, abonnez-vous. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, ça va être assez sympa, même assez cool de tester une team comme ça. Moi elle me hype de fou, donc je veux que cette vidéo fasse un carton grâce à vous. Allez, on part sur les games les gars, à tout de suite. Bon, et bah évidemment la première team qu'on va croiser, et ben bah, on le sait, ce sera une fusion. Donc on va partir comment? Attention à la Kefla, il va la jouer, on s'en doute. Donc on va partir comme cela. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Le match-up est pas terrible, la Kefla va pas être évidente à gérer, mais je pense que ça peut être très cool. Encore une fois, la team est plutôt hypante. Donc voilà, alors où je vous sors cette vidéo, donc le mercredi, vous aurez quelques news le matin. Voilà, on dirige tout droit vers l'anniversaire dans quelques jours. Donc je pense que ce showcase risque d'être quand même assez intéressant à regarder. Et puis malgré tout, il va falloir attendre jusqu'à dimanche quand même. Donc bon, là, attention, il va attaquer, voilà. Est-ce qu'il va mettre le Gotenks? Pas encore, donc on va garder la carte verte ici, on n'a pas forcément besoin plus que ça. Ok. Oh là, on va faire mal. Hein. On va faire mal, je pense. Ah, on a presque assez. Ah, ça va pas passer. Oh là là là, ça passe. Oh les dégâts. Oh les 100% de dégâts qui régalent ici. Bon là, par contre, on va y prendre. Ah non, peut-être pas. Allez. Aïe. Ouais, le clash qui est pas terrible. Bon, on va pouvoir encaisser les dégâts. Et on va les prendre sur Krillin. On va les prendre sur Krillin ici. On a pas mal boosté Végétaux. Donc là, voilà, Krillin va prendre très très cher. Il va pouvoir se faire l'ulti en plus de ça, ouais. Ça nous va, hein. Ça nous va. Oh non, ça. Oh ça. Oh voilà, je sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait ici, je m'en fiche, peu importe. Ce que je sais, c'est qu'on va pouvoir. Oh oui, on va pouvoir faire mal ici. Hein. On va pouvoir faire mal, et dans tous les cas, on va partir sur l'aspect, même si Megotanks, on n'aura plus Rising Rush. Ok, mets la Kefla. Et ici on va, allez, on va essayer de tuer la Kefla, on a encore une spé, hein. Ça fait quand même beaucoup de spé là. Donc si nous contre, ça serait quand même pas de bol. Hein. Ouais, c'est bon, c'est contré. Là on est bien, Végéto a utilisé, donc là vous voyez que la team est en train de faire un bon taf, il a misplay, hein. On est d'accord, il a misplay, mais dans tous les cas on a fait des bons dégâts, enfin c'est une fusion quand même. Hein. Ok, on n'a pas forcément de régène de ki maintenant, donc on va attendre. Je pense qu'on va laisser mourir le Krillin ici.
On va pas le laisser mourir. Hein. Donc on va mettre le crinin ici, on va le laisser mourir quand même. On va le laisser mourir le crinin, il va pouvoir utiliser son main, etc. On s'en fiche un petit peu. Donc là, voilà, le Goku va être boosté. La carte verte qui va nous redonner du ki. Ok, on l'a fait esquiver, c'est ce que je voulais. Là, on va mourir ici. Au moins, on va se retrouver en EV1, c'est ce que je souhaite. Voilà, je voulais garder le maximum de cartes. Donc là, attention quand même au Rising Rush, pardon. Attention au clash ici, il faut le gagner. Il faut le gagner, oui, il est gagné. Il est gagné, bon là je pense qu'on a gagné. Hein. Là les gars, on va faire mal. Là, on va déchirer ici. Bon, les kicks, les strikes, ça va. Et ouais, les kikos, là ça fait mal. Là, là, oh là 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 là, là ça fait super mal. Et on va terminer sur l'ulti. Donc on va gagner face à cette belle team fusion en face. Donc là, je suis très très content. Vous voyez ici les bons dégâts. Les très très bons dégâts, évidemment, avec les Zenkai 3 et 6. Ça doit être vraiment vraiment un niveau au-dessus. Surtout Zenkai 6 parce que Zenkai 3 c'est plus au niveau de l'ulti. Mais voilà, on a pris le risque et ici de finir, c'est surtout pour le beau jeu et pour la vidéo. Et en plus on gagne des points, c'est bon pour le top 10 000. Ouah, team LOE en face, franchement c'est pas top. Franchement c'est pas top parce que comment est-ce qu'on va gérer le couleur, j'en sais rien. Je n'en sais rien ici. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le couleur. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais avec un Rising Rush ou quoi, pourquoi pas. Ce qui peut être intéressant, c'est de se retrouver en dernier perso justement pour avoir les 80% de boost sur les généalogies maléfiques. Parce qu'ici, il y a une team complète. Donc au moins, même si on perd, ça pourrait nous montrer quelques dégâts. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir quand même quelques dégâts. Notamment là, ça peut être vraiment fort. Hein. 80% de dégâts, ça peut vraiment être un sacré délire, je pense. Je pense, donc attention encore une fois, à ne pas se rattraper le couleur Zenkai. Vous connaissez, hein, vous connaissez. Ok, là on peut rentrer les premiers dégâts qui sont pas incroyables mais qui sont là. Ok, donc voilà, on switch tout de suite. On va switcher tout de suite hein, là. Non non non. Ok, donc là je pense qu'il a pas non plus énormément de cartes maintenant. Ok, ça pourquoi pas. Et ouais, là on fait mal, là on fait super mal. Allez, là qu'est-ce qu'il va choisir ici? C'est à lui de faire le choix, il va choisir d'encaisser sur couleur. Ok, donc là... Ok, bah c'est pas grave, ici on meurt. Ici on meurt, on a quand même fait déjà un bon taf. Le Krilin, bon on aura fait esquiver. Oh, j'ai cru qu'il me tuait pas. J'ai cru qu'il me tuait pas. Ah dommage, j'aurais préféré qu'il reste ici. Oh, ok. On est mort. Ouais, on est clairement mort ici, mais on va Rising Rush maintenant. On va Rising Rush maintenant, voilà pourquoi on va éviter tout ce petit phénomène. Donc là par contre les 100% de dégâts sont là. Regardez ça. Là ça fait mal, les 80% pardon. Ok, ok, on va tenter quelque chose ici, on va tenter d'avancer et de dash pour éviter d'esquive, ça peut être intéressant. Ok. Aïe aïe aïe, on est mort. Aïe aïe aïe, on est mort. Et ouais, c'est la fin ici. On perd face à la généalogie. Ouais, on perd. Aïe 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 aïe, quel dommage. On s'est fait absolument démonter. On a vu quand même de belles choses. Voilà, on n'a pas pu voir l'étendue des talents du Goku. C'est vraiment dommage. Ça s'est joué à presque rien. Je pense que sinon, on avait gagné la game. Quel dommage, mais bon, on va garder cette game quand même. On a vu quand même quelque chose. Voilà, au moins, on voit tous les défauts de la team aussi. Oh les gars, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. J'ai rarement été aussi saoulé sur Dragon Ball Legends que je le suis actuellement.
Voilà, je cache ma colère un petit peu, mais voilà, j'en ai marre. Je ne joue que des LOE, que des fusions ou que des régen. C'est absolument tout ce qu'il y a sur la ladder. Pour ce qui est du beau jeu, on repassera. Hein, voilà, les gens jouent sérieux et je crois que certains jouent leur vie, notamment face à ma team. Voilà, bon, la team m'a hypé un peu au début, hein, je vous avoue, mais là je suis actuellement en train de passer la 20ème de game de 20ème défaite de suite. Si vous êtes là, c'est peut-être bon signe, hein, si vous m'écoutez. Mais bon, avec ce qui est en face, je suis en train de me faire peu de doutes. Voilà, on joue souvent beaucoup mieux que nos adversaires, mais ça se passe souvent à ce que la moindre erreur nous coûte un kill, voire même des fois deux avec le Rising Rush. Donc, encore une fois, c'est pour le showcase. Moi, ça me hype. Hein. Je suis hypé de fou à jouer une team comme ça. Mais la difficulté est tellement énorme que... pourtant, j'essaye d'optimiser. C'est-à-dire, j'aurais pu le mettre dans une team Saiyan assez simple pour qu'au final, vous voyez, on voit des dégâts plus ou moins corrects. Mais j'ai surtout voulu optimiser les dégâts quitte à pinailler. Mais bon, je le fais pour vous. Je le fais pour le beau jeu. Voilà, j'espère que quand même la vidéo fera un petit peu de vue quand même. Ça serait quand même... pas super cool. Ok, bon, on va enfin pouvoir faire ça. Ouais, le switch ici, il était assez obvious. Bon, on va pas switch ici. On va pas switch. Attention à la carte verte. Ah, j'ai bien fait de parler ici. Oh, aïe, 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 aïe. Mais regardez ça, regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis désolé, je ne suis pas magicien, encore une fois. Voilà, salut, ça dégage, voilà. Voilà, voilà comment voulez-vous que je joue. J'aimerais bien des petits tutos. Ok, on va pouvoir régénérer la TP ici. Ça va tomber sur le full power. Donc on va avoir le temps de faire ça. On va avoir le temps de faire ça. Oh là là. Et on va avoir le temps de faire ça. Là par contre, on va avoir les dégâts là. Oh, aïe, 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 aïe. Là, ça fait mal. Oh là, on l'a tué. Là, on tue. Aïe, 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 aïe. Bon, on est mort. Ok, bah, il nous rend l'appareil, hein, clairement. Là, il est en train de nous rendre l'appareil. On n'a pas pu switch. On n'a pas pu switch, on aura vu juste quelques dégâts. Je suis désolé, les gars, mais là, c'est... Voilà, vous avez vu ça. Voilà, c'est fait, 4 millions. Aïe, aïe, aïe. J'en ai marre de tout le temps, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouh, on va contrer. Bon, on va contrer, c'est pas fini. C'est même clairement pas fini parce que là, on va le tuer. On va le tuer ici, donc on va essayer de main. Allez, il faut gagner. Oh, on va pour Rising Rush. Je m'en fiche du Rising Rush. Aïe, aïe. Ah, j'ai peur. Allez. Si ça passe, on a gagné. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Yes. Ouh, les gars. Ah là. Je suis refait. Je m'en fiche. Je vous ai vu les dégâts sur le full power. C'est des dégâts de fou furieux. Qu'est-ce que je peux en déduire? Sans doute plutôt bon. Zenka 7, je pense qu'il est très fort. Voilà. Dans cette team, ne le jouez pas. Ne vous faites pas avoir. Ne faites pas comme moi. Mais j'espère que vous avez kiffé les dégâts parce qu'ils seront là. Ils bougeront pas. Et j'arrête ici, je pense que j'en ai pas mal donné, donc s'il vous plaît les gars, pour le petit effort, le petit abonnement, je vous kiffe vraiment beaucoup les gars, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis bon farm à tous, ciao.